Et salut tout le monde les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur notre let's play de Bioshock Infinite, Tombeau sous-marin, épisode 2. On se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va un peu continuer notre aventure. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que le rythme de vidéo va baisser énormément. On passera de 3 vidéos par semaine. Entre une et deux, enfin ça dépendra. Moi de toute façon j'aurais tourné des vidéos d'avance et ça dépendra si j'ai envie de poster, mais 90% des vidéos vous allez voir plus tard. Alors celle là déjà c'est un épisode 2 et celui d'après sera tourné aussi à la suite pour avoir un petit peu d'avance. Là en ce moment c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, en fait je m'attarde beaucoup trop sur les vidéos, j'attarde moins sur en fait mon orientation personnelle. Donc j'ai décidé de faire une pause, enfin pas une pause YouTube, mais faire une pause un petit peu de tournage. C'est-à-dire que Kingdom Hearts 2 va continuer, tous les let's play que je vous fais en ce moment vont continuer, mais il y en aura un peu moins, il y aura un peu moins de vidéos que d'habitude. Option, parce que j'ai remarqué que le son était beaucoup trop fort encore. Voilà. On va jouer aux extensions. On va continuer. On a. Mais oui, on va continuer, les amis. Ouais, donc le rythme de vidéo va baisser. En ce moment. J'ai pas vraiment le temps de tourner en fait. Aujourd'hui je vous donne des vidéos, mais genre demain je vais peut-être tourner des vidéos. Là la vidéo que vous allez voir prochainement, c'est des vidéos de tournée à l'avance. Genre Kingdom Hearts 2 sera largement tourné à l'avance. Je prendrai pas beaucoup d'avance, je prendrai les 3-4 vidéos, mais dispatchées en 2 jours. Pour ne pas en avoir trop dans le coup. Columbia. Ah, c'est la maison de Comstock. On dirait en tout cas. Donc là, on rentre un peu plus dans l'horreur dans la campagne de d'Elisabeth, que je trouve est deux fois mieux. Une machine des lutesses, Souchong ouvrait des failles. Ah bah ça on l'avait déjà fait, ça a pas dû sauvegarder quand il fallait. On fouille un peu parce qu'on a besoin de crochets, c'est pas comme avec le D8 on avait genre crochet limité. C'est un peu plus dur. Ah, tant mieux. La faille est toujours ouverte vers Columbia. Les plasmides, les toniques, Fink et lui devaient communiquer, partager des secrets, comme les lutesses avant d'être physiquement réunis. Pourquoi je me suis envoyé ici? Quel est le rapport avec Sally? Tu te souviens, pas vrai? De ce qui ne s'est pas encore passé? Je vous l'ai dit, je ne suis plus capable de... Entre toi, Elisabeth. Non, les portes sont fermées, elles... La particule des lutesses. J'utilise leurs particules. Si elle peut faire voler une ville... Elle peut remonter une prison. Je ne peux pas ouvrir de faille, mais avec cette machine, on pourrait rentrer à Columbia pour trouver une particule. Si elle fonctionnait. Répare-la. Bien sûr. Vous savez, je n'avais pas le mode d'emploi de la machine des lutesses dans ma tour. Je peux le faire. C'est ça. Elisabeth, tu en es capable. Ok. Ok, il y a forcément des informations quelque part. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Ryan m'avait fait expulser de mon propre restaurant pour leur filer à scorer. C'était une bonne affaire que j'avais là, vous pouvez me croire. J'aurais jamais dû parler de cette lumière à personne, ou de ces bâtiments que j'ai vus dans le ciel.
Et puis surtout, j'aurais jamais dû parler de cette fille qui est apparue comme ça, un jour, avec sa robe bleue. Ce sont des éléments. Sodium, le titanium. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les plans d'un... C'est un code. Le chiffre de Wigner. Depuis l'hydrogène qui est le A jusqu'au fer, le 26e élément qui est le Z. Il te fallait toujours un codex. Le voilà. Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un écocentrique. On dirait qu'il essayait de réparer les pièces endommagées. Un tube cathodique, un absorbeur de CO2 et un refroidisseur. Je trouverai le tube cathodique dans un distributeur. Et on trouvera un absorbeur de CO2 dans le magasin de Batisphère. Beaucoup de modèles en ont. Un refroidisseur, ça... Je me demande où en trouver dans un grand magasin. Bien au frais, avec hiver d'antan. C'est parfait. Il faut que je trouve ces pièces. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à réparer la technologie la plus sophistiquée jamais inventée. Elisabeth, tu t'es vue la réparer. Je sais que tu peux le faire. Si vous le dites, j'imagine qu'on ferait bien de trouver une sortie. Problème. Le protecteur... Atlas, vous m'entendez? J'ai besoin d'aide. De l'aide? Je suppose que tu n'as pas encore réalisé le miracle promis. J'y travaille. Je vais avoir besoin du plasmide hiver d'antan. Tu devrais essayer l'endroit où ils essaient les bathysphères. D'après ce que j'ai compris, c'est grâce à cet hiver d'antan que leur batterie évite de s'enflammer au bout de 5 minutes à peine. Merci. Y a vraiment pas de quoi. Mais c'est la dernière fois que je te viens en aide. La punition quand on touche aux machines de Souchong, c'est la mort. Même pour une jolie demoiselle. Alors c'est vous, Souchong? Gardez vos munitions. Votre machine ne marche pas. Si, elle marche. C'est du sabotage. C'est de votre faute. Mais j'ai bien l'intention de la réparer. Enfin, à moins que vous ne comptiez descendre ici pour vous en charger vous-même. Ce ne serait pas prudent pour moi de retourner au labo. Mais vous, vous pouvez faire ça. J'ai décrypté votre code, non? Donnez-moi celui qui ouvre cette porte, et on verra ce que votre création a dans le ventre. 1, 2, 1, 6. Votre date de naissance? Taisez-vous! Au travail! Comment tu as su? Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un égocentrique. Les hauteurs d'Olympie. J'espère que vous serez tous fiers de moi. Pour l'explosion. C'est parfaitement clair. Pas ! Nous allons en fabriquer beaucoup d'autres comme vous. Regarde un peu ce que t'as fait. Je te préviens. Avec moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comment tu peux donner un sens à ta lâcheté? Voilà. Il nous reste à trouver le plasmide d'hiver d'antan et un absorbeur. Bienvenue à la farandole des prix. De CO2. Ah, tu peux pas acheter un peu de...
un peu dev. Ah non, c'est 20 euros, c'est cher. S'il y a des bathysphères, il y a forcément des absorbeurs de CO2. Et pourquoi ça? Si vous ne retirez pas le dioxyde de carbone des réserves d'air de votre sous-marin, vous étoufferez. C'était le côté positif de Rapture. De nouveaux livres à étudier. On cherche une bathysphère long courrier où l'accumulation de CO2 limiterait la durée d'immersion. Ah, il est bien ce DLC. Je parle pas beaucoup les amis parce que je suis assez concentré sur le DLC, j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'ils disent. Mais bon, c'est assez complet hein, le DLC. Et bon, moi j'aime bien. Tout va bien. J'ai déjà vu tout ça se produire. Tout, je savais tout ce qui allait se passer. Et maintenant... Maintenant, c'est le noir complet. Tu as une bonne raison d'être ici. Une dette. Si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Cet Atlas. Il va falloir que je le tue. Parce que ce sera lui ou moi. Oui, peut-être. Je ne suis pas comme vous, Booker. Un héros de guerre. Je ne suis même plus moi. Plus de failles. Plus d'omniscience. Appelez ça comme vous voulez. Il me reste ce que j'ai appris dans les livres. Et quelques crochets. Le mégaptère. Un engin vieux comme Hérode. C'est vraiment du bas de gamme. Il faut porter de l'oxygène et un masque. On n'y trouvera pas d'absorbeur. Le Mako de 52. Classique. Mais c'est un tombeau. 28 personnes ont trouvé la mort en l'utilisant. Le dioxyde de carbone. Pourtant... On en vend toujours. Au moins. Là, le Stingray. Temps d'immersion 90 minutes. C'est ce qu'on cherche. Ils l'ont monté bien haut. Les mécanos ne l'ont pas hissé à la main. Il faut trouver les commandes. Ah, putain. Accrocher. Ouais, non, en fait, faut tous les buter. On va fouiller un peu quand même. Et aussi, je vais vous faire une petite vidéo. C'était quoi? Wow. Tu le sais bien, non? Les portes, elles commencent à s'entrouvrir. Mes souvenirs de l'avenir et d'un endroit où je vais aller. Tu es sûr que c'est ton avenir? Sinon, que tu vois? Lequel ce serait? Le crochet.
Ouais, je sais, on va peut-être pas là où il faut, mais au moins on fait pour trouver des crochets. J'entends à parler dans mon dos. Où vous allez filer? Viens te montrer, et vite. J'ai pas que ça à faire. Bah quoi, il a filé? Ah, putain. On peut dire ce qu'on veut de Ryan, son champ de mine est bien pensé. Et puis vous connaissez un système de sécurité sans faille, vous? Si je prenais les paris à la forteresse volâtre, j'aurais pas trop confiance en mes chances de victoire. Un pas à gauche au lieu d'aller à droite, et il reste même pas assez de moi pour remplir une salière. Entendu, des bâtiments sont construits au-dessus des flots. Mais nous les abaisserons sur un anneau immergé dans les cadres en acier de la structure. Tout cet acier, vous dites-vous sans doute. Comment allons-nous faire pour dissimuler un achat d'une telle envergure au gouvernement? Dans l'eau, tout flotte. Nous ne fabriquerons pas des cadres en acier. Je crois que quelqu'un essaie de décrypter un code. Nous sommes désormais certains que la carte maîtresse est prête. Elle est entre les mains de Souchong, mais il ne la cédera pas facilement. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
vous avez filé. Vous avez prévu de pas me suivre. C'est ce qui arrive. À force de nager avec les requins. J'ai pas dit que tu pouvais partir, hein. Comment est-ce que t'oses disparaître comme ça? J'ai pas dit que tu pouvais partir, hein. Ok. Bon, là, du coup, les vidéos seront bien plus longues. Hein. Il doit bien y avoir un interrupteur. Ça risque de faire du bruit. On allait plus faire là, c'est vrai. Moi, ce que je crois, c'est qu'on veut s'en prendre aux honnêtes gens qui travaillent dur. Je croyais que Rapture aimait les hommes d'affaires. Plus que l'hiver d'un temps, et on a tout. Ah, ça joue pas mal l'infiltration avec Elisabeth. C'est pas du tout pour me déplaire, hein. Au contraire, même, j'aime bien l'infiltration dans les jeux BioShock. C'est vrai qu'après, l'infiltration est extrêmement perdue. Je sais ce que vous cherchez. J'ai entendu un bruit. Ne laissez pas! Pas cette fois! Hop. Cette arme est tellement puissante. Recharge de temps en temps, quand même.
Et je ferai une vidéo aussi sur mon avis sur la saison 9 de Fortnite, comme je fais chaque fois pour les saisons dont je... Il faut que je te dise, je commence à être un peu sceptique. Rappelez-moi, en quoi est-ce que ça m'intéresse? Tu sais, mes hommes ont souvent des envies d'Adam. Et j'ai justement un grand cru à mes côtés qui ne leur déplairait pas. Si vous la tuez, j'espère que vous êtes heureux du trou dans lequel vous vivez. Installez-vous, fondez une famille. Vous pensez peut-être qu'Andrew Ryan va voler à votre secours. C'est de bonne guerre, mais souviens-toi, on peut récolter les petites sœurs très vite, mais aussi très lentement. J'aime pas cette arme-là. Je sais pas, hop, regardez ça. C'est... Ah, c'est un peu de Crystal Dev, non? Hiver d'autant. Voilà qui devrait refroidir la machine. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ne va pas croire que tu peux... On est vraiment fort. Ce type là, Atlas, il arrête pas de traîner par ici. Il essaie de remettre de l'ordre dans ce foutoir. Ah. Tous les chromosomes l'adorent. Mais moi, il y a un truc qui me revient pas chez lui. Il me rappelle un peu mon ancien patron, Frank Fontaine. Il parlait toujours de prendre le contrôle de Rapture en prenant le pouvoir aux riches. On voit où ça l'a mené. Ouais. Atlas m'a envoyé chercher l'hiver d'antan. Toi, t'es une petite nouvelle, je me trompe. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es la seule à pas sentir comme le pavillon des reptiles aux eaux. Allez, dépêche-toi. Et prends seulement ton plasmide. C'est pas l'armée du salut ici. Exactement ce qu'il nous fallait. On a tout ce qu'il faut. Tu penses pouvoir réparer la machine? Mais oui, Sam, réparer les générateurs de champ quantique, c'est ma passion. Ah,
Hop. On peut pas juger un homme juste sur ses chiffres. Pousse. Ah, Croft aussi. Ah, il y en a encore plus. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Il n'a pas de cœur. Ah! Je ne me laisserai pas faire aussi facilement. Regarde un peu ce que t'as fait. Je te préviens. Avec quoi? C'est un bourreuil. Non. Je vois bien ce que t'as fait à mon ami, là. Mais attention, si tu... Quand est-ce qu'on peut se revoir? Ah ouais, non, c'est une vidéo bien plus longue hein, qu'on va se taper aujourd'hui, peut-être une vidéo de 50 minutes, je sais pas. Le Wild DLC il fait à peu près 10 heures je crois, en mode normal, mais là on le fait en mode facile pour pas que ça prenne trop de temps. Rappelez-vous, notre but c'est de faire Bioshock 1 pendant les grandes vacances, et de le terminer vers à la fin. On ne mourra pas empoisonné au dioxyde de carbone rien qu'en mettant en contact. Oh, ce n'est pas la fréquence phosphorique idéale, mais ça ira. Je dois refroidir le transport. Ok, ça devrait l'empêcher de surchauffer. Bien, tout est réparé. Nous sommes prêts. Allume là, on verra bien. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, j'ai cru en revenir un jour à Columbia, et encore, mais... Et encore moins à ce moment-là. Hooker, regardez. Nous sommes sur la première dame. C'est beaucoup trop facile. La deuxième première dame était basée sur un ascenseur à particules, comme tous les bâtiments de la ville. Je l'ai lu dans le scientifique de Columbia. La particule se trouve au sommet de la structure. Il faut prendre cet ascenseur. Fonctionnel hydrogène. Il a suffi d'une balle à la Vox Populi pour le détruire. Malheureusement, le prophète n'était pas à son bord. Alors, peut-être qu'on va sûrement se battre contre la Vox Populi alors. Si j'enlève la particule active, je transforme la première dame en presse-papier de 40 tonnes. Je vais prendre l'autre. Et voilà, on peut retourner à la faille. Tu crois vraiment qu'Atlas va respecter sa part du marché? Non, mais on avisera le moment venu. Comment tu comptes t'occuper d'Atlas? C'est pas un vulgaire chromosome. Il fera une erreur.
Il faut juste que je sois prête à réagir quand ce moment arrivera. Une fille que tu connais à peine. Parce que vous me connaissiez en arrivant à Columbia. Il vous reste encore beaucoup de travail. Hein ? Ouvrez la paille ! Alimenter la machine coûte cher. Donnant. Dites-moi ce que vous voulez. Rien de bien compliqué. Une mèche de cheveux. Non mais vous plaisantez. Oh les vôtres, idiotes. Fink, à la pause secret. Vieux, oubliez. Vous y trouverez des cheveux. Dans un pot. Immanquable. Apportez-les-moi. Tout le monde sera content. Où est ce labo ? Fermé, derrière chez Fink. Vous êtes muté. Cherchez. J'aurais dû m'y attendre. La Vox Populi. On a dû débarquer au beau milieu du siège. Alors les deux autres nous sont sur... déjà dans l'usine, à chercher comment rejoindre la première dame. Tu n'as pas peur qu'on tourne nez à nez avec toi-même ? Mais non. Comment tu peux en être sûr ? Je m'en souviendrai. ...37 minutes déjà, pas... ça passe vite. Ouais. J'ai suivi vos conseils, et vous m'avez bien aidé, mais... je ne ferai pas de mal au garçon. Je veux la mort de Fink et de Comstock, mais je refuse de faire payer l'enfant pour les agissements de son père. Vous nous avez mal compris. Nous ne voulons aucun mal à l'enfant. Et nous n'avons pas promis que ce serait vous qui détruiriez le monde de Comstock. Pour citer un grand homme... Comme le dira un grand homme... J'atteindrai peut-être le sommet. Mais je crains de ne jamais voir la vallée plus bas. Mais... alors il faut que je sacrifie ma... Non, à vous de choisir vos priorités. De rôle. Jouer. Ou la pièce elle-même. Quelqu'un approche. C'est encore une enfant. Vous devez faire d'elle une femme. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une enfant et une femme ? Le sang. Le rôle que vous jouez. Ou la pièce elle-même. La forcer à tuer ? Comment ? Ne lui laissez pas le choix. Et elle sera contrainte à faire son choix. Votre odeur. Je vous flanque là. Qu'est-ce que fait ça ? C'est quelque chose. Tu ne pourras pas cacher éternellement, tu sais. Longue vie à Daisy. On est tarés dans ce pays. Bientôt s'arrêter, ça fait bientôt 40 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est pour on n'est pas très très loin de la fin, je pense, du jeu. Car à l'endroit là du DLC, c'était vraiment très très proche de la fin du jeu de base. Là je crois qu'on était contre, enfin à un moment donné contre la Vox Populi. Alors en même temps ça fait un temps qu'on a fini le jeu, je veux dire. J'ai plus vraiment de souvenirs. Oui c'est vrai, la guerre approche. On peut la sentir. La peur, la haine, la mort qui frappe tous les jours. Mais combien seront-ils encore à souffrir si nous nous révoltons ? La violence engendre la violence, je le sais. Je l'ai vu.
L'esprit rationnel cherchera toujours une solution pacifique, un terrain d'entente, mais... Quel terrain d'entente peut-on trouver pour un père qui regarde son enfance vidée de son sang en pleine rue? Comment lui refuser le droit de se venger? Je connais bien ce feu qui brûle en vous. Je le connais même trop bien. Et quand l'heure sonnera, serai-je capable de retenir la main? Fink. Notre état actuel, ou devrais-je dire plutôt notre absence d'état, plonge mon frère dans une sorte de frustration. Il ressent fortement le besoin biologique de laisser son empreinte sur le monde. Et je ne dis pas que c'est impossible. Nous pourrions nous donner forme physique à Columbia. Retrouver notre ancienne vie, avec la possibilité de nous en créer une nouvelle. Mais nous sommes morts dans ce monde. Une grande horloge. Plus ou moins. Le mécanisme semble débloquer certaines activités au bon vouloir de Fink. Alors quoi? On attend que le coucou veuille bien sonner? Non, il y a un emplacement pour une clé qui remonterait l'horloge. Il suffit juste qu'on la trouve. Il se donne beaucoup de mal pour fermer quelques portes. Oui, c'est ce que Fink préfère, que les gens se donnent du mal. On a trouvé la clé. Ouais, c'est un peu simple. Tu trouves pas? Prayer. Abel Prophet and Toyd Prophet. On va tous les faire, hein, je veux dire. Nous on doit aller là. Leather. Des limaces de mer et des saloperies de limaces de mer. L'autre jaune pouvait pas trouver encore moins pratique pour alimenter ses plasmides. S'il y a un dieu, ce dont je doute fort, il pouvait pas faire pousser la dent dans le ventre d'une jolie petite mouette ou d'un corbeau, non? Ces expéditions sous-marines. Bien. Je vais pouvoir rapporter sa mèche à cet idiot. Ouais, je crois pas y rester très longtemps ici, je pense. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable.
Booker, vous êtes là. Vous me manquez. Vous êtes le seul à avoir jamais... Vous étiez mon seul ami. Booker. Mais je ne suis pas là. Je ne suis qu'une projection de toi. Vous pourriez faire comme si. S'il vous plaît. Toi aussi. Tu manquerais à Booker. Sympa. Locker room. Allez, sors de ta planque. Qu'est-ce que tu fais là? Quand je t'aurais mis la main dessus... Tire votre oppresseur. Hop. Moi, je viens en ami. Je viens tranquillement et le mec, vas-y. Meurs, c'est tout. Montre-toi. Je vais te suivre à la trace. Qu'est-ce que ça pue ici? Hey, allez me chercher un millionnaire qui fasse un peu le ménage. Je crois. Qui est là? Montrez-vous. Mort. Montrez-vous. Je vais te débusquer. Docteur Maboul. Daisy s'est sacrifiée. Elle m'a forcé à la tuer pour faire de moi... pour me transformer en tueuse. Eh bien, mission accomplie. Je ne suis pas une martyre. Comment avez-vous fait, Booker? Comment avez-vous... Elisabeth, je ne suis pas Booker. Et moi non plus. J'avoue, c'est un peu dur à comprendre quand même, parce que bon, entre elle qui dit je m'appelle pas Book, je suis pas machin, l'autre qui dit je suis pas cette personne, c'est un peu dur à comprendre quand même. Mais ça n'empêche pas que je m'éclate plutôt pas mal sur ce jeu. Ah, je me disais aussi. Ils collaboraient entre réalités. C'est logique, finalement. Les petites sœurs et les protecteurs, Songbird et moi. Des constantes et des variables. Big Daddies. C'est ce qu'on aura dans le prochain jeu, ça. Ça va être les années bien reloues qu'on va avoir pendant
Non, un jeu complet. Empreintes. C'est un substitut maternel. Séparer un gorille de sa mère, il s'accrochera à n'importe quoi. Même à cette chose. En quoi ça intéresse Fink ? Songbird. Il voulait qu'il me prenne pour sa mère. Si je me souviens bien, il est arrivé à ses fins. Ouais. Carreau fumigène maintenant. Eh ben. Ces pauvres bêtes. Comme il n'a pas pu les lier, il les a laissés mourir. C'est très joyeux quand même, je jure. Échec de l'empreinte. C'est impossible. Clairement, il y avait bien un lien entre Songbird et moi. Comment ? J'étais très jeune. Je l'ai toujours connu à mes côtés. Ça doit être une sorte de prototype. C'est humain. Quelle importance. Ils ont tenté l'hypnothérapie. Sur Songbird, ça a marché. Aussi bien que vous le pensez. Ah, non, c'est lui, Songbird. Songbird imprinting on subject. Booker, la petite fille dans le film. C'est moi. Mon Dieu. Je me souviens. Il s'est écrasé dans la tour. Il devait être en train de se battre. J'ai attendu. Je ne sais pas qu'il se passerait quelque chose, mais... Il était là. Étendu. Il gémissait. Je ne pouvais pas. Un lion avec une épine dans la patte. Tu parles d'une science. J'aurais mieux fait de le laisser mourir. J'aurais dû. Je n'y échapperai pas. L'exploitation. La mienne. La sienne. Moi, comme Stock. Vous, Sally. Une roue ensanglantée qui tourne encore et encore. Ça doit être l'échantillon génétique que veut Souchong. Il t'a renvoyé jusqu'ici pour que tu lui rapportes tes cheveux. Il ne sait pas que c'est moi l'enfant qu'on a lié à Songbird. Mais à l'en croire, il trouvera ses réponses dans l'ADN. Pour les hommes comme Souchong, un gramme d'empathie vaut autant qu'une tonne de science. Je vais te faire payer, gamine. J'avais le trouvé. Ça me plaît
pas ce bruit. Pas de reddition. Et me voilà. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait une heure de vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour le 5e épisode. En attendant, portez-vous bien, c'était Agent 47, allez, bye bye tout le monde.